connaît fauteuil présidentiel là, il était vide, personne dans le monde qui était souhaité remplacer Jovenel Moïse pas arrivé approcher fauteuil là. Toutefois exécutif là gagné dans tête Lyon premier ministre action la décision Lyon limitée. Voilà pourquoi plusieurs voix continuent à pleuver pour demander une transition plutôt un exécutif à deux têtes dans mi-temps yon bonne paquet de propositions pour sortir la crise là. En attendant nous retournons et venir à quelques réactions sous possibilité yon accord politique pour débloquer situation sur accord ça a été partagé guerrier. Bonne nouvelle pour parents qui peut comparer pour rentrer l'école là. Gouvernement reporté rentrer l'école là qui pas fait 6 septembre encore. L'État a annoncé deux dates pour rentrer ça, 4 octobre pour Grand Sud-Lan, 21 septembre pour cet autre département. Oui, il y a peut-être des décisions qui gagnent position, en tout cas, mon partagé, puisque gagnent un peu les parents qui déjà dit qu'ils étaient payés hein, l'école là. Donc moi septembre quand même direction l'école il va toucher donc faites si mon yo la caillou est-ce que c'est ça qui a solution pour quelques deux semaines donc même gens qui ont l'autre parent qui peut-être pas de gâte paré qui pas d'en penser il y a pas de gâte profiter de quelques jours aussi là donc j'en dis Pierre Renel lundi 4 octobre c'est date qui tient bien pour l'ouvrier classio pour département sud de NIP à Grandance trois départements tremblement de terre été frappé et puis mardi 21 septembre pour sept autres départements yo c'est que ça qui sorti dans quatre débats dans conseil gouvernement yo qui est fait pour être capable prendre décision pour année académique 2021-2022 ça donc gagné Ariel Henry premier ministre qui a annoncé et après le travail là pour déblayer bail allocation pour parents élèves et professeurs yo donc yo une série de dispositions qui viser favoriser réouverture classio dans grand sud paysan d'après sa chef gouvernement fait qu'on a gagné un conseil interministériel qui est informé non sans ça côté Ariel Henry dans micro Johnny Ferdinand. Jodi an nou sot gen un conseil des ministres et yon nan point dans conseil des ministres c'est concernant petit nou yo. Pour nous dans gouvernement li important que ti moun yo à l'école. Et période rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait en entrée des classes en deux temps. Yon temps li concerne timoun ki nan zone ki pa affecté par tremblement de terre ou ki peu affecté par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du sud. Timoun sa yo nou décidé n'ap reporté rentrée scolaire là qui te doit fait le 6, nou reporté le pour le 21. En fait, nous t'ai reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 son jour férié, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans presqu'île du sud. Là. Pour nous arriver ouvert, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire, quand écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre structure pour que Timoun soit capable d'aller à l'école. Et Moutimoun, ça, c'est quel que soit Timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout Timounio dans presqu'île du Sud là, aller à l'école. Après, ils font effort. Pour nous faire effort, ça, nous font conseil d'interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous capables de mettre toute force nous pour que Timounio qui a joindre l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, pour professeurs de l'école. Donc, tout ça. Après un petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans presqu'île du Sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays.
Voilà, Premier ministre Ariel Henry, qui est position, en tout cas, organisation qui a évolué dans la troisième circonscription Port-au-Prince, là, puisque nous connaissons en quantité citoyens, en quantité maman, papa, petite, qui était obligé courir quitter troisième circonscription à cause d'affrontements à bandits. Il y a plusieurs centaines d'écoles qui boulées ou bien pillées dans la troisième circonscription. Comment réouverture classe là après le fait dans zone ça avec nous Stanley Jean Julien qui fait partie de l'organisation Saint-Luc 65 dans Fontamara dans troisième circonscription Port-au-Prince là et même nous pour demander la position yo sous réouverture classe là Stanley Jean Julien bonjour. Oui, bonjour Pierre Renel. Bonjour toute fidèle auditeur et journal Première Occasion yo. Et c'est avec un peu de plaisir matin et moi-même m'a fait parler et non non peut-être troisième circonscription pour tout personne et pour tout pays a pratiquement qui a subi et même peut-être chargé avec toute l'autre circonscription yo même gens avec troisième circonscription pour tout personne depuis environ 3 mois. Soit 1er juin, situation violence qui était aggravée dans la troisième circonscription a été poussée. Plusieurs familles quittaient la troisième circonscription. Il y a un cahier, l'école qui écrasait, il y a l'école qui boulait. Comment ça y est, nous on a parlé là, dans la troisième circonscription Port-au-Prince, avant même nous rentrer dans la réouverture classe. Il y a m'a dit nous que matin à la décision pour me prendre la parole pour le peuple haïtien sur toute troisième circonscription, c'est avec un pile douleur, avec un pile mécontentement que moi-même m'attendais et ministre Ariel et après conseil ministre qui décidait par les gens que nous soutenons là. M'a dit on va régler. Nous connaissons que le pays a toujours gagné une éducation à plusieurs vitesses, côté que yon paquet l'école a fonctionné façon par yon, pendant que yon paquet l'école qui a voulu fonctionner en façon, mais qui n'a pas de moyens ou bien pas de possibilités pour yon fonctionner dans façon ça. Et troisième circonscription pour tout le reste, et surtout en plus côté dans le pays, nous connaissons comment les circonscriptions ça yon ou bien le département ça yon subit un paquet problème d'insécurité, problème de catastrophe naturelle. Et j'en ouvre l'État à pédaler, c'est comme si l'État a pris pression l'école pour l'organisation, que nous sentons qu'on est habitué à faire, que ce n'est pas aujourd'hui à ça fait, pour nous continuer à plonger le pays dans une situation difficile, une situation lamentable, une situation côté que c'est mon petit peu mal qui a continué à souffrir. D'ailleurs, si nous parlons plus loin, nous avons réfléchi pour nous garder. Il y a une troisième circonscription pour tout le monde, qui n'a pas quitté l'école, ça qui brûle, ça qui pille. Et je dis à la troisième, là, et par exemple, tu as gagné une centaine de l'école là-dedans, tu as gagné près de 95% là-dedans qui n'a pas existé. Personne n'a pas compris dans quelle localité, qui côté tout le monde est capable de faire un document, qui côté est capable, même les autres, de dans l'école, ça, qui côté pour y aller. M'a dit que dans ma fiche, il y a l'école nationale du Pérou. Pas de monde qui connaît jusqu'à présent qui côté Pérou pour aller. On nous connaît, des fortunes à dire, des rues sous Bicentenaire. Nous, par contre, qui côté l'école ça pour aller. Nous venions au Candelouche, nous venions Pénèche, nous venions pas quête d'école. Nous, l'école de Tobaoulette, dans Fontamara, c'est une dans l'école qui vient signer un cap de service et jeunes garçons, jeunes femmes dans la zone. Nous, par contre, qui côté pour aller jusqu'à présent. Et, bon, disons, d'ailleurs, l'école, ça, c'est des écoles qui reçoivent mon grand-ville, mon village de Dieu, mon petit bois, mon Fontamara, mon Matissanta, mon zone littorale. Nous recevons mon caritat, mon fonds de crédit. Je dis à la, il y a des parents, jusqu'à présent, qui t'a couru avec Timon Naneo, qui peut quand même finir l'année scolaire qui t'a fait. Et l'État a poussé, ils ont pu le pas comprendre. Qui côté a regardé, si c'est bien, si c'est bac qui a fait, si c'est devant, il y a regardé. Il y a un ministre
éducation nationale qui fait monter, malgré lui, tout ça passé dans les yeux, nous ne pas jamais tirer des exemples clairs pour voter des solutions pour le peuple comprendre que c'était des gens qui étaient derrière, qui ont gardé et qui viennent là, qui pas fourré qui même avec l'autre monde. Nous avons gardé un ministre qui n'a pas campé soin du tout. Nous avons gardé un ministre affaires sociales qui n'a pas venu au support de nous parce que nous n'avons pas qu'un centre sportif de Carrefour. Ou paquet moun nan marché poisson, ou paquet moun nan la cour pan de Fontamara, kati moun nan men yo, jusqu'à présent l'État pa même poton crayon ba yo, et si nous pas fè pression sur l'État, même ou pote, nous pas tapé pote le pouvete, n'a pas dit l'État aujourd'hui à la, que problème population, problème peuple là, m'pap du troisième nan seulement, tout pays, c'est pas un problème de reporter, parce que y a des moun ou mette voyer l'école là pour janvier, yo pas kabale. Son problème d'accompagnement. Le peuple a besoin d'un État qui est fort, qui peut comprendre la nécessité pour venir au service de la population. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas qu'il y ait un courrier dans Matissan, dans Fontamara, pour nous aller dans des espaces, ou bien dans des côtés reculés, ou pas même qu'on est même, ou pas même qu'il y ait un problème de valise. Je dis, on décide de l'école à prouver. Qui côté on parle l'école ça? À qui ça on parle l'école? Non pays du côté que moun respecte moun, l'État comprenne nécessité pour l'accompagner moun. Côté même des qui scolaires, tant qu'on caille, valise, plume, crayon, il y a poté taille moun yo, pour moun yo sorti au moins bon moun qui a pensé avec yo. Bon, comme vous parlez du moun sorti de Kafou na Ital, de la boue et moun, comme vous parlez du moun à l'école là. Alors moi-même, encore une fois, dans notre troisième circonscription, m'a dit à Ariel Henry, qui s'est premier ministre jusqu'à présent. M'a dit à ministre affaires sociales qui a des devoirs pour accompagner le monde social. M'a dit à ministre de l'éducation nationale là qui était là, qui était derrière, qui a un meilleur regard, qui est capable de réfléchir plus bien par rapport à les problèmes ça pour comment ça solutionner, que il y aura un petit bac si on tape derrière, on garde devant et puis pour y regarder qui s'est passé, qui ça a supposé faire. Parce que je dis à peuple troisième circonscription pays en général, trois départements ça a souffri après catastrophe naturelle ça ou pas capable de continuer à plonger dans la douleur, pas capable de continuer à plonger dans la peine, pas capable de continuer avec stress dans tête. Salé Jean-Julien, et est-ce que ça voulait dire que quelques jours avant réouverture classio, malgré décision qui prend là, donc famille qui déplacé yo, pas grand rien, pas grand ken accompagnement qui rive joint yo, et ensuite gagné l'école qui était boulée, qui était écrasée dans la troisième circonscription. Qui côté? Côté de Simon Yopal l'école? Ah ben, il y a bonnes choses à dire. Je dis ça pour le pays. Moi-même, c'est un ensemble de questions que m'a posé l'État. Je dis l'État, il y a des écoles dans Matissan, il y a des écoles dans Fontamara, il y a des écoles dans la troisième circonscription, tant qu'on a dit l'école l'État, tant qu'on a cité. Et de série de noms là, m'a dit l'école ça ou toute l'école ça ou dans la position de la troisième là, ce climat de sécurité a eu là, il n'y a pas qu'à le vivre. Il y a des directeurs ou capteurs qui disent que quand ils cherchent un espace, ils demandent aux 20 000 dollars américains. Donc, si vous avez des directeurs qui demandent aux 20 000 dollars américains, ils demandent espace. Ils demandent aux 10 000, ils demandent aux 15 000. Et bon, nous, guerriers, c'est pas ça seulement. Il y a des petits mondes qui habitent Carrefour. Il y a des petits mondes, il y a des parents qui ont des petits mondes qui habitent Fontamara, comme ma fille, presque pas des mondes encore qui habitent de l'autre côté. Moi, ça aussi, collège canadois ici, l'école, c'est petit séminaire collège financier, c'est Ménali, c'est lycée Toussaint, c'est lycée Petit, parce que c'est un lycée qui a des petits mondes. Mais quand des petits mondes, ça y est, quand ils passent pour y aller à l'école, jusqu'à présent, pas de sécurité qui s'y a. Tout le monde entendait que l'on dit que son crève. Pas de parents qui parlent de mon petit monde l'école, parents parlent senti que lui confortable dans le petit monde et bonne journée de classe. Comment parents parlent de petit monde, bonne journée de classe pendant ce temps, parents est obligé de mettre mon téléphone chaque 2 minutes pour dire qui côté là, est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on voit que des choses? Est-ce que le monde est capable de vivre dans nos conditions pareilles? Qui ça allait passer? Moi-même, sur un ensemble de questions, je me pose des tables, je me réponds réponse avec nous. Question pour l'école pour être. Et disons, réouverture de classe pour 21 septembre
et 4 octobre pour trois départements qui pratiquement touché yo. Mais est-ce que c'est ça qui vient comme solution? Comment tu nous parles l'école? Qui compte les aller? Même ces questions ça. Comment on parle l'école? Qui compte les aller l'école? Dans quelles conditions on parle l'école? Tout ça on veut déjà y aller l'école là. D'accord. Eh bien, merci un peu, Stanley Jean-Julien. Donc, c'est peut-être une ensemble question qui au même ou pas prêt ou pas capable de répondre, mais plutôt autorité concernée, n'a pas arrêté tant, ça qu'a fait comme suivi. N'a pas toujours été dans la troisième circonscription à Port-au-Prince, Pierre Renel, avant pour nous aller au CAI avec des professeurs qui, des directeurs à l'école qui ou même tout pas connaît comment rentrer l'école là pour le fait pour yo dans département ça. Mais nous pourrons parler avec Wesley Simeon qui est dit nous lycée membre commission capable chercher la paix dans troisième circonscription Port-au-Prince là. La pral dit nous on a qui niveau démarche ça y est. Simeon, non, Wesley Simeon, bonjour. Bonjour tout staff Caraïbes là. Bonjour tout le monde qui yo même composé staff là qui font bon travail. Nous voyons que salutations pour nous. Nous même au niveau commission permettre que nous saluer tout autre membre commission yo, bien que gagne un qui pas ici plus particulièrement magistrat Yvon Jérôme qui l'autre bord. Maintenant moi tant des camarades là avec plus attention et moi féliciter. Maintenant, un bagay qui est beaucoup plus préoccupant, c'est question qui Jean et Mounio eux-mêmes y a retourné parce qu'à plusieurs reprises, que ce soit au niveau monde qui réfugié au niveau de Saint-Sportif Carrefour là, que ce soit de monde qui réfugié au niveau de Fontamara, dans la Fontamara et plus particulièrement de Machéa. L'autre jour que commission a mission que l'ité baïtète lui, c'était tant des doléances tout le monde qui déplace yo. Mais maintenant, le n'attendez, le nous rencontrer chaque de manière et chaque monde de manière séparée, que ce soit monde qui regroupe au niveau centre sportif Carrefour là et que ce soit au niveau marché Fontamara. Maintenant, grande préoccupation, c'est grand pile monde qui manifeste volonté pour yo même yo ta retourner la caillou une fois que tu as gagné une prise en charge de l'État et que tu as gagné possibilité. On a pris en forme d'accompagnement, soit en forme, soit en l'autre. Mais maintenant, il faut tout expliquer que faut que tu as gagné un minimum de paix pour que tu retournes. Mais maintenant, sous question l'école, là, je pense que c'est extrêmement préoccupant, comparativement à sa camarade de la soutien. Un, non seulement pour qu'on gagne en prise en charge en termes d'accompagnement, et ça n'a pris les sociales là, la vigna et responsabilité ministère des Affaires sociales là. Et que ce soit en termes de sécurité, maintenant, c'est, il revient à moun qui gagne responsabilité en matière de sécurité pour que tu as gagné une prise en charge de questions pour retourner à et porter yon sanapréle yon aller souffre au niveau du Matissan. Maintenant, allô? Maintenant, la question, l'école là nous dit que faut que l'État lui-même lui garde des situations, que ce soit au niveau de Grand Sud là, que ce soit au niveau de capital là, au niveau de question Matissan. Maintenant, bon quantité de l'école effectivement qui endommagée, soit qui boulée, qui pillée. Maintenant, nous pensons que on l'État qui est responsable, faut que l'État garde effectivement dans quelle situation que Matissan et en pile l'autre zone avoisinante, ou même vous trouvez. Moi, je pense que je n'ai on ministre éducation, faut que lui-même, il gagne un minimum de lucidité. Nous, on connaît effectivement la réalité socio-économique et politique à qui j'en lié. Maintenant, je pense que, faut avoir une situation conciliante, côté que, ensemble de monde qui gagne responsabilité dans la question de l'éducation, pour que yon t'achita ensemble avec eux, ensemble d'organisations, ensemble de syndicats, que l'INO y est, que l'INO, que plusieurs autres monde et Kabgoum dans la question de l'éducation, je pense que yon ministre d'éducation qui gagne plus de lucidité, faut que yon t'a fait un diagnostic. En général, de problématiques réouverture l'école là, que ce soit au niveau Grand Sud là, nous connaissons lui-même, qu'on a attention beaucoup plus particulière, que ce soit au niveau de Matissan, spontanément. C'est vrai, problème là, lié au niveau de Matissan, même problème là, lié presque englobé, non seulement presque cinq départements par rapport à la question Matissan, et c'est une raison qui fait que nous-mêmes,
nous connaissons que nous ne pas remplacer l'État, mais nous te baillons nous en tant que citoyens, en tant que monde, un minimum de responsabilité pour que nous te regardions qui ça nous est capable de joindre comme en solution médiane, bien que nous ne pas remplacer l'État. Et de fait, qui ça nous joindre comme solution? Puisque il y a plusieurs rencontres qui sont faites avec monsieur au sac sorti. Bon, il faut nous dire que nous-mêmes, nous continuons à travailler sur question parce que gagner de éléments qui t'ont demandé que nous tendons doléances mondiaux, que ce soit monde qui au niveau centre, que ce soit au niveau Fontamara, Matissan. Maintenant, nous tendons gagner de doléances que poté, mais l'autre acteur tout même, yo fait de recommandations. Maintenant, yo même yo estimé que nous-mêmes, nous pas tal ni remplacer l'État, ni jouer rôle pour demander autre que ce soit, c'était un râle souffle, demander que gagner un minimum de satisfaction dans le niveau ça. Maintenant, nous-mêmes, c'est nous continuer à réunir entre nous en la commission, on a analysé les questions, on a attendu les gens, nous rencontrer les gens, nous attendons doléances. Maintenant, nous-mêmes, au niveau de commission, on a travaillé. N'a pas réuni, n'a pas fait ça pour nous faire. Maintenant, l'autre niveau, il revient à l'État parce que nous pas l'État, nous pas remplacé l'État, nous pas de monde qui commissionné ou bien qui mandaté par l'État. Ça t'a dit pas grand qu'une garantie qui baille à un citoyen qui est capable de retourner la caillou. Bon, acteurs même yo fait des recommandations tout. Mais maintenant nous-mêmes tout nous rencontrer mon yo, il y a deux monde qui dit bon OK. Si l'État lui-même, par exemple, il y a un petit business qui est écrasé, ou bien il y a un caillou qui est brûlé, ou bien qui est pillé, il y a même une fois que bon prise en charge de l'État, non niveau ou l'autre, par exemple, pour porter, et ça n'a pris l'accompagnement social, ou bien pour porter un minimum de paix, ou bien de satisfaction en termes de sécurité, il y a un qui décide au prêt pour y retourner. Gagné qui décide tout le monde. C'est normal parce que gagné. Là, parce que mon n'y a pas sorti ou bien pas quitté l'espace de propre gréo. Donc, c'est une situation qui était fait courir, qui était la caillou, à savoir, monsieur, qui t'a pas affronté, qui t'a tiré les âmes. Donc, on y a, pour y retourner, il faut que je ne garantis, monsieur. Exactement, gagné un euro qui, c'est grande préoccupation, yo. Mais surtout, yo, même, yo, animé dans certaines volontés, mais nous-mêmes, bon niveau que nous-mêmes, même si nous-mêmes nous étions animés de certaines volontés, peut-être, pour nous porter un minimum de la paix, mais nous-mêmes, nous pas l'État, nous pas gagné, nous pas mandaté par l'État, nous pas en instance qui mandaté pour que nous allions dans la limite, dans limite ça qui peut apporter solution et de manière définitive. Maintenant, nous-mêmes, au niveau commission, hein, on a continué notre travail, nous réunis, nous rencontrer Mounio, déplacer yo, nous tendez point de vue bien qui manifeste volonté, soit pour y retourner, mais une fois que tu as gagné un minimum de la paix, et accompagnement social, par exemple, monde qui perdit du business yo, qui a boulé, l'école yo tout yo préoccupé, yo même tout de timoun yo, l'école va l'ouvrir, tout yo ensemble de questions, maintenant ça yo, c'est tout ça yo qui fait objet de continuité de travail. Qu'on a mené au niveau de commission pour y aller les souffres merci, au niveau merci de Matissan. Merci un peu, Wesley, mais on a rappelé au CEO de nos membres comité SA qui a pas cherché joindre pour la pète à retourner dans la troisième circonscription Port-au-Prince qui vient là-dedans de notable et qui a cherché rencontrer avec groupe Cap Bataille dans la troisième circonscription Port-au-Prince. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune garantie que citoyens qui étaient obligés de courir, qui étaient quatre saillots capables de retourner la caillou. Avant d'aller dans la région sud-là, qui était attendre la décision, ça, qui t'a demandé d'ailleurs pour permettre sinistré, famille, parer pour rentrer l'école là. Report qui annoncé là, mais question encore matin psychologiquement, est-ce que Timoun qui déplacé, yo, dans condition pour yo continuer à apprendre donc ces cas et Timoun surtout dans zone Port-au-Prince, zone Matissan, yo qui t'a couru pour violence dans zone la caillou, parents yo qui décapitalisé. Nous gagnons encore avec nous éducateur Franck Jean-François qui c'est pasteur dans Fontaine.
Tamara qui lui-même voulait porter accent surtout sur problème psychologique qui t'a dû poser accompagnement pour Timoun Sayo qui traumatisé. Pasteur Franck Jean-François, bonjour. Bonjour, donc nous saluons tous les fidèles auditeurs de l'émission Première Occasion. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et de partout à travers le monde. Nous saluons et Pierre Ronel Ouiné, nous saluons tout le Gaillé du Seul et nous saluons Popsi qui n'est pas là, mais quand même, c'est nous dans cette place-là. Mm. Donc, maintenant, c'est un plaisir pour être capable de fixer des mots, surtout et concernant après discours. Et pour le ministre Ariel sur la, sa décision prise concernant la réouverture des classes. Je pense que normalement, en tant que chef du gouvernement, en tant que la personne responsable, je pense qu'il y a un pile qu'il faut pas faire. Donc, M. Tekone, et bien, situation qui a passé au sein de la troisième circonscription. Tout le monde te connaît et surtout au Caraïbe, il fait un peu l'approche de ça. Mais on pensait que, et avant même l'école t'a ouvert, surtout, et après CIS, qui était passé 14 août dans le Grand Sud, plus bagarre était passé, l'école, il faudrait, donc, vu la tête en bas. Mais maintenant, avant l'école t'a ouvert, on pensait que t'as supposé penser avec un accompagnement du monde, ensemble des élèves, ensemble des parents qui victimes, qui prennent l'école, qui apprennent petite l'école. On pensait que qu'on y a, c'est pas ouais, seulement l'école à ouvrir, mais à qui ça parle après la compagnie du monde, là, pour ouvrir l'école. Parce que le gouvernement a pensé qu'il a réfléchi, parce qu'il ne faut pas mettre abscis sous clou. Maintenant, il faut que tu as supposé gagner, et bien, le monde a qui j'ai le support que je n'avais ministre de l'Éducation à Ginor, parce que c'est toujours la place libre, qui j'ai le support que les parents sont à du joint vis-à-vis de l'école et ça a été crasé, qui j'ai le support de l'école qui a joint et t'as lui utilisé, parce que on dit l'école va l'ouvrir, mais il n'y a pas de l'école comme une école qui crasait. Est-ce que les courses ont crasé? Est-ce que au carré de Marie? Et si après de Marie, c'est comment? Donc, c'est comme si on voit en pile, parfois nous faisons en pile, et parler, et nous faisons une conférence, même si que pas grand est saisi. Si, entre le cas du troisième circonscription, en tant que citoyen, donc je me suis né au sein de la troisième circonscription, donc nous avons l'école qui a fonctionné dans la troisième circonscription, après 12 janvier, elle était détruite, et heureusement, nous n'avons pas de cas de mortalité, mais jusqu'à présent, nous sommes encore là parce que nous avons un ministère qui a fonctionné dans la zone-là, et ceci, donc papa, qui est presque 7 ans au sein de la troisième circonscription. Mais maintenant, écoute ceci, en tenant compte de toute l'école qui n'a pas fonctionné en dedans, Grand Matissan, parce que l'autre dit étoile de circonscription, Matissan inclut son zone, Fautamara son zone, mais c'est le Matissan en général. Maintenant, et pas toute l'école, le Matissan qui crase, qui détruit, parce que l'école, c'est le directeur qui décide volontairement de lever l'école. Ça. Donc, il faut préciser bien, parce que quand tout le monde qui parlait, ils ont parlé, ils ont dit, mais ils n'ont pas vraiment en connaissance du cause. Il y a l'école qui n'est pas crasée, il y a l'école qui n'est pas pillée. Il n'y a pas tellement de l'école qui pillée. On seul l'école que nous déconnons, ils ont dit que qui brûlait, donc c'est dit, ils ont dit, donc, et même pas aucune confirmation. Donc, majorité de l'école qui bâtit sans eux, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas crasé, c'est levé, directeur, levé, pour qui ça? Donc, la raison est simple, parce que pas de possibilité, zone là, tout le monde est fidèle des lieux. Donc, ainsi, donc, parents, ils n'ont pas là, petits, ils n'ont pas là. Donc, ou pas qu'à quitter l'école implantée, à qui ça? Ou pas à faire l'école. Donc, l'élève n'est pas venu. Maintenant, on parle de l'effet psychologique. Donc, là, toute l'école dit, tout directeur dit, vous voyez, il faut. Mais imaginons, Kafou n'a pas de capacité de la guerre pour recevoir toutes les consorts. L'homme pour toutes les consorts qui étaient Fontamara, qui déplacés. Maintenant, qui étaient Matissan déplacés. Est-ce que c'est Kafou qui est capable de faire tout et les arbres? Deuxièmement, est-ce que vous sentez qu'il y a une capacité psychologique? Il faut faire un rapport psychologique. Psychologiquement parlant, il est vieux, est-ce que vous apprenez la situation? Ça. Imaginons par un élève qui perd du maman. Il perd du papa. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est ça, vu que le côté lié à son petit côté au balomi, il doit mal vivre. Il n'y a pas qu'à manger. Est-ce qu'on est, ou pensez que son professeur va être grandi dans le moment? Je pense que l'État même, il n'est vraiment pas assumé la responsabilité avec l'État. Donc, et le ministre de l'Éducation nationale, moi, estime qu'il n'a pas assumé la responsabilité avec le ministre. Donc, c'est vrai qu'il y a le corps qui a ouvert, ça m'étonne. M'attendez, mais qui accompagnement, il n'y a pas de monde. Vous avez un accompagnement psychologique.
entre tout le monde qui est dans mais qui se passe qu'à un droit, mais qui est petit ou pas à l'école, qui sera pour l'école là-là, monsieur? Qui sera pour aller? Comment le prévoir une petite école là-là, faut le faire uniforme, et le gain de voile, des mondes qui étaient doués à tête antérieure. En tant que renseignant directeur d'école, je connais bien la situation. Il y a des dettes antérieures. Il va falloir que tu m'y aies à l'école. Et pour l'école, il faut que tu aies des dettes antérieures. Et si il faut que tu aies un régime pour aller t'acheter un uniforme, même uniforme dans tout, c'est que subvention, même t'as dit ça va aller, pas une subvention, et même uniforme, comment la fait? Et psychologiquement, qui gens t'as dû gagner des professeurs de psychologie qui ont aidé mon salaire, si mon salaire dans la classe. Fait moral, surtout avec le 2 janvier qui est passé, et nous avons 14 août qui est passé. Si nous sommes sous choc, l'esprit sous choc, si nous avons senti, c'est à trembler. Donc, nous pensons que l'État même, dans pile conférence de presse qui fait, dans pile et dialogue qui fait, même si jusqu'à présent nous sommes très en retard. Donc, l'État, en tant que ministre, Ariel, et bon, nous parlons de Agenor, Kalem, parce qu'il est encore toujours ministre de l'Éducation nationale. Même qui est ministre de l'Éducation nationale, c'est Madame Marie-Lucie Joseph. Merci beaucoup, Franck.